Ce sont des images que l'on voit rarement. Malgré l'heure de pointe, la gare de Strasbourg est totalement vide. Seul moment d'affluence de la matinée, l'arrivée du train parti de Bâle. Aujourd'hui, une dizaine de TER étaient en circulation contre 700 habituellement et la plupart des usagers avaient pris les devants. Les clients, globalement, ont été très informés par les médias, mais aussi par les canaux d'information. Donc, globalement, on constate qu'il n'y a pas, ce matin en tout cas, trop de problématiques en gare. La gare est plutôt déserte et les clients ont pris leur disposition autrement. Certains trajets étaient assurés par des bus. En tout, 120 autocars étaient en circulation aujourd'hui sur le territoire alsacien. Et pour aider les quelques usagers pris par surprise, dans toutes les gares alsaciennes, des bénévoles de la SNCF se sont relayés pour renseigner les voyageurs. Thierry et Nathalie souhaitent se rendre à l'aéroport. Non, rien. Le premier train sera à 18h36. Non, ça ne fera pas. C'est trop tard. Dans la gare, les avis des usagers sont divisés, tantôt compréhensifs, tantôt désabusés. Moi, je ne comprends pas du tout parce que moi, je suis boulanger, j'ai vécu toute ma vie dans la nuit. Je vais finir avec une retraite à 1300 balles et puis je vais pas les manifester. Hein. Après, c'est toujours les mêmes personnes qui sont embêtées. Ce matin, c'était un petit peu compliqué parce que tous les trains sont supprimés, donc du coup, il n'y avait plus qu'un qui circulait. Un peu galère de train, mais on anticipe parce qu'on soutient les grévistes. À la SNCF, plus d'un cheminot sur deux était en grève aujourd'hui. Alors, avant le grand rassemblement au centre-ville, ils se sont réunis en assemblée générale à Strasbourg. On a vu la réforme du ferroviaire en 2018, aujourd'hui on s'attaque un peu plus aux retraites. On a déjà subi une réforme des retraites. Effectivement, les cheminots sont très très impactés, et ce qui justifie aussi la mobilisation d'aujourd'hui. De toute façon, la seule issue possible, c'est le retrait de la réforme des retraites. La grogne des cheminots pourra durer puisque la grève est reconductible. La SNCF a d'ores et déjà informé ses clients de la suppression de certains trains dans les prochains jours.